Commencer notre troisième scénario du chapitre 2, Rivali le guerrier Piaf, dans lequel nous l'avons commencé à bien entamer, donc il nous manque encore plein de petites choses à faire, dont des noix Korogu à trouver, hein. Je vous rappelle que nous avons récupéré que 2 noix Korogu sur les 8 ici, donc il nous en manque 6 au total, et du coup, en espérant qu'on les trouve, hein. De toute façon, voilà, on va vraiment pas avoir le choix, il faut vraiment qu'on les trouve. Donc voilà, c'est le deuxième que nous avons trouvé ici, en espérant qu'on va en trouver plus, tout simplement. Alors on va prendre Link un petit peu pour changer. Par contre, Link est un petit peu trop avancé pour moi là, je trouve. Hop, attention. Oh, attendez. Non. Attendez. Il y a plein de choses avant. Voilà, on va. Déjà, on peut aller là. Noix Korogu. Merde. Non. Non. Attendez, peut-être s'il faut... Oh merde, il me semble qu'il y a un truc normalement dans Breath of the Wild... Bah oui, normalement il y a pas un truc dans au niveau des cailloux dans Breath of the Wild 1. Enfin, normalement, hein. Ok. Tac. Ok, je crois qu'il y a un truc normalement avec les cailloux dans Breath of the Wild 1 où il faut le positionner à telle et telle façon en fait. À tel et tel endroit. Il y aurait des noix pour... Pourquoi il y aurait ça ici? C'est ça qui est étrange. C'est même pas logique en fait. Pourquoi il y a ça ici? Attendez. Vous savez quoi? On va tenter. On n'a pas. Bon bah on va dire que c'est rien. On va dire que c'est normal. D'accord? On va vraiment dire que c'est normal parce que là... Je sèche totalement. Ok. Il y a de la végétation ici. Il y a de la végétation pour rien en fait. Ah, un coffre, tiens. Des rubis, oui, alors là, je dis pas non. Il nous manque toujours 6 noix Korogu. Donc là, vraiment, il faut regarder de partout. Dans ce type de zone, il faut regarder de partout. Genre, pourquoi ici? Tiens, c'est grand et genre, il n'y a pas de noix Korogu. Il nous en manque 6, quoi. C'est dingue. Honnêtement, c'est dingue. Bon, c'est pas très grave. Alors, du coup... On réexplorera bien comme il faut. Oh, par contre, une pag commence à galérer un petit peu. Ok. Hop. Je vais tout niquer. Oula. Merci. Et slash. Et ben voilà, on l'a niqué. Rendez-vous au village Piaf. Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on va faire. Ok. Non, ici, il n'y a rien. C'est chelou. Mystère. Ces 6 noix Korogu vont être introuvables. Vous sentez là les noix Korogu introuvables? Tentez, hein. De toute façon, normalement on n'est pas censé les louper là. Vraiment, on ouvre bien nos yeux et tout. On va voir. De toute façon, il faut progresser. En tout cas, vraiment, cette zone est géniale. Cette zone est magnifique. Même la musique de cette zone est juste géniale aussi. Donc, hop. Merci. Alors. Tac. On est niveau 17 déjà avec Link. C'est ça qui est bien. Toujours plus d'abus. Toujours dans l'abus. Tac. Boum. Et boum. Ok. Hop. Oui, alors là. Mon gars, tu t'es mis dans une merde noire tout seul. Bon, ben voilà. Avant-poste de prix. Toujours des coffres. Des escadrons d'archers. On rejoint. Ah, d'accord. Oh là là, j'ai que ça à foutre. Le truc, c'est que là, il peut y avoir des noix Korogu de partout. Oui. Donc là, ça veut dire qu'on est obligé de passer par là. Je regarde un petit peu de partout, hein, là. Excusez-moi, attention. Ok, donc là t'es mort. Là il y a une façon de monter, mais j'ai pas envie parce qu'il y a un coffre ici. Attention, boomerang les ales. Et il nous manque toujours 6 noix Korogu que je ne sais toujours pas où ils sont. Ok. Alors, vraiment, on est de retour dans les
montagnes enneigées, dans des zones vraiment magnifiques. Donc, oula, attention. Bon bah, tant t'es mort, je t'ai tué tout seul mon gars. Et bah voilà. Ah, on joue un petit peu avec Link, je pense qu'on va un petit peu aussi retourner avec Impa dans pas très longtemps. Voilà, c'est tout simplement parce que il faut changer et j'aime vraiment tous les personnages, donc je veux vraiment m'amuser, on va dire. Je veux vraiment m'amuser. Ok. Ok, ça c'est fait. Pour le moment, on peut pas aller là. Ça sert à rien d'aller là. Il faut aller en bas ou en haut. On va d'abord aller en haut. Il y a forcément une noix Korogu. Ça fait notre troisième. Il nous en manque 5. Ça va être chaud, hein. Trouver les 5 ici. Parce que la zone est bientôt finie. En trouver 5 ici, ça va être assez chaud. En bro brut, je suis entièrement pour. Merci. Merci, merci le jeu. Alors du coup, on continue. Mais elle fait quoi l'autre? Ah d'accord, l'autre elle est là carrément. Ah ok. Si tu veux hein. Hop. Merci. Boum. Ok. Ok. Hop. Toi t'es mort. Ok. Oh là là, doucement. Ok, toi t'es mort. Allez Captain Piaf, laisse-toi tomber. Oula. Ok, bon ben. Je crois que t'es mort, non? Voilà, ça c'est fait. Merci. C'est super, honnêtement, c'est super. Oh, par contre, ça réapparaît en masse ici. Hein. Faut tenter de calmer tout le monde. Alors par contre toi, t'es mort. Boum. Par contre en termes d'attaque, elle a rien, c'est un truc de dingue. Ok. Slash. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, une noix Korogu. Eh oui, il fallait s'en douter. Donc ça nous fait notre quatrième. On est à la moitié. Bah ça va, ça commence à s'accélérer pour les noix Korogu. On peut vraiment pas aller le plus loin. Il y avait un truc là, non? Pas du tout. Bon, bah, écoutez. Ok. Toi, tu dégages. C'est bien, bon, on est à 4, donc ça veut dire que c'est jouable. Honnêtement, c'est jouable, il nous en manque... Il nous manque plus beaucoup de trajets, donc... ça me rassure un petit peu, quoi. Parce que, je vous avoue que... J'étais pas trop... Je voulais aller là, mais finalement... Il est pas possible. C'est clairement pas possible. Allez, on continue. Oh. Ah. Bah, il faut une bombe, non? C'est logique, hein, pour moi. Il faut une bombe. On a des bombes, normalement, sur nous. Donc, on devrait normalement détruire le rocher. Hein? Ah, putain, vas-y. Laisse-moi tranquille. Allez. Bah, voilà. On devrait normalement détruire le rocher. Sans crainte. Non, mais dis donc. Oh. Ok. Par contre, oh, mais toi, tu me fais chier. On te l'a... Oh, il y a un coffre à côté. On l'a vu. Ok. Il se lâche. Toi, t'es mort. Bon, ben, c'était facile. Très facile. Et ben, voilà. On a calmé tout le monde. Un petit coffre. Lame régime. Une louche. Et pas de truc qui brille. Noix Korogu d'ouf. Y a rien. Non, y a pas de noix Korogu ici. Avant de changer de personnage, j'aimerais honnêtement juste aller au fond pour savoir s'il n'y a rien du tout. Ou pas. Je sais pas. Parce que regardez bien comme c'est la merde. Oh, tu veux changer de personnage avec tout ça. Voilà. Hop. S'il te plaît, bien. Merci. Hop. Et voilà. Voilà. Ah, ça c'est fait. On vient de tout niquer. C'est bon? Il n'y a pas des noix Korogu encore? Il nous en manque... c'est triste parce qu'il nous en manque... 4 quoi. Voilà. Il nous en manque 4.
Oh, toi t'es sérieux. Genre tu te mets là. Ok. Comme si j'allais pas te voir. C'est très mignon. Ah d'accord, encore. Ok, go. Avec Impa. Avec Impa, Impa, Impa. Go. Go, go, go. Ok, ok. Un coffre même. Ok, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ok. Attention. Oh là, non, c'est pas du tout ce que je voulais. Merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh non. C'est pas du tout ce que... C'est vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Est-ce qu'on peut vous tuer comme ça? Ok. Ça au moins, ça s'est fait. Hop. Ah, dégage. Ok. Attention. Ok. On va un petit peu calmer tout le monde, je vous le dis. Avec une petite bombe, si elle peut exploser. Voilà, on a tout niqué. On a réussi à tout niquer d'un coup. C'est génial. Avec Polaris. Oh oui, c'est juste pour, tout simplement pour récupérer les récompenses dedans. Voilà, les petits rubis, tout ça. Éliminer les catapultes piaf. Ok. Oh, encore. T'as pas suffi ça? Ne vous inquiétez pas, on va récupérer le coffre après. Voilà. Toujours plus de récompenses, toujours plus de rubis, de ce qu'il y a. Il est où le coffre? Il n'y avait pas un coffre ici? Attendez, mais j'ai pas rêvé, il y avait bien un coffre. Attendez. Je me permets de refaire le truc parce que j'ai l'impression d'être devenu fou. Je suis pas devenu fou, il y a bien un coffre. Ça m'était même sauté à l'œil. Ah non, il n'y a pas de coffre du tout. Donc j'ai vraiment abusé. Ok, oulolo, oulolo, attention. Eh, oh, on va se calmer un peu, non? Et ouf, ça va. Ok. Ok, toi t'es mort. On réfléchit un petit peu avant de d'appuyer sur les boutons n'importe comment. Ok. Ok. Et toi, t'es mort normalement. Ok. Tac et slash. Et ben voilà. Hop. Plein de petites récompenses, plein de petites... Oh là là, oui. On s'est refait en termes de récompenses ici. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu sur mes sur la carte comme une scutula d'or. Vous voyez le même truc qu'il y a sur la carte d'Hyrule Warriors Definitive Edition? Quand il y a une scutula d'or qui apparaît sur les champs de bataille. J'ai viens de voir ça, en fait. Je sais pas pourquoi. Je viens d'avoir une putain d'hallucination. Laissez tomber, quoi. Bon, il nous manque toujours 4 noix Korogu. C'est triste là par contre, hein, parce que on touche la fin de la zone. On touche la fin de la zone. Donc en espérant que sur cette partie de la zone, il y a une petite noix Korogu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Ok, ça c'est fait. Hop, hop, hop. Non. Ok. Dégage, merci. Toi, tu dégages aussi. Voilà. Bon, il nous manque toujours 4 noix Korogu. Ça me fume. Parce que la zone est bientôt finie. On a bientôt terminé. Attendez, mais c'est pas normal. Parce que là, honnêtement, on touche la fin du scénario, si on va tout en haut. Ok, on a récupéré notre 5e noix Korogu, il nous en manque 3. C'est bizarre. On a dû en louper, hein, ça c'est clair et net. Bon, 5.
Ok. Ok, oula, j'étais un petit peu perdu. Excusez-moi. Ok. Toi, t'es mort. En plus, non, ça servira à rien de gaspiller ça pour rien. Ok, bon, bah t'es mort. Ok. Oula. Oh. Vas-y, viens. Ok, bon, bah t'es mort aussi, hein. Ok. Slash. Bon, bah ça c'est fait. Voilà. Putain, vous sentez les noix Korogu que j'ai zappé, malheureusement. Putain, j'ai fouillé de partout, c'est ça que je comprends pas. Je les aurais loupés comment? Putain, bah là, j'ai pas le choix d'activer ça. Hein. Je peux même plus revenir en arrière, donc. On en a récupéré 5 sur 8. Hein. Ok. T'as une caf. Ok. Ok. Oh là, doucement. Arrêtez. Mais putain, mais... Oh, vous allez me laisser tranquille. Merci. Non. Hop. Oh putain, genre, j'ai esquivé pile au bon moment pourtant. Toi, t'es mort. Et toi? Ok. Merci. Ça, c'est fait. Bon, bah, il nous manque toujours 3 noix Korogu. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais là, du coup, c'est compté comme si j'arrêtais la zone, en fait. Hein, excusez-moi si je me trompe, mais... je suis même quasi sûr, là, il y a un coffre. Petit sable de Cocorico. Mais là, désolé, à mon avis, je pense que j'en ai loupé bien comme il faut, en fait. Et là, le village des Piaf est là, hein, donc... je vais là, j'ai terminé, à mon avis, hein. Donc on va aller là. Ah, déjà il y en a un là. Donc bon. Ça en fait notre sixième. Ça. What? Attendez, what? Quoi? Quoi? Attendez, attendez. Il faut aller ultra loin, c'est ça le délire? Attendez. Tac. Attendez, c'est une blague? On est obligé de le récupérer avec Impa? Là, il y a une noix Korogu impossible à obtenir. C'est étrange, hein. Là, il y a quoi? Pourquoi il y a une grande zone comme ça? Pour rien. Le truc, c'est que je sais que je vais avoir fini le scénario. Ça, c'est clair et net. Comment dire, cette histoire me fait peur. Je sais pas comment faire. Honnêtement, je sais vraiment pas comment faire. Honnêtement, il a pas bugué, même pas, même pas. Attendez, attendez, je me permets juste d'aller sur le site de IGN. Alors le premier, je me spoil pas parce que de toute façon je me spoil pas sur les images.
Attendez que je comprenne, parce que le problème c'est que... Attendez, je veux... Voilà, je me spoil que celui-là. Quoi? Attendez. Ils me disent ça? Non! Attendez, les amis, vous savez que ça... Impossible que je sois au courant. Impossible. Impossible que je sois... Vraiment que je sois au courant. Par contre, j'ai loupé d'autres noix Korogu. À mon avis. Oh là là. Parce que il m'en manque deux. Et je ne sais pas où ils sont. Et je sais même pas si je vais pouvoir y aller les récupérer. Parce que là le souci c'est que le pont n'est pas réparé. Donc je ne peux pas retourner en arrière normalement. Putain de merde. Oh là 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 là. C'est pas possible. Attendez, il n'y a pas moyen de partir ou d'aller à une autre part. J'ai pas le choix, hein. Je vais devoir terminer la mission maintenant. Et en plus, c'est la fin de l'épisode, mais... Il me manquait deux noix Korogu. Bon, ben, c'est parti. Hein. C'est la fin. C'est... What the fuck? Ah! On affronte Rivali? Oh merde, non! Bon ben, ok. Ok. Non, 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 non. Ok. Ok. C'est bon, il est mort? Pas du tout. Là déjà. Peut-être ici, je sais pas. Hein. Putain. Ça me fait chier parce que... Le problème c'est que tu peux pas. Hein. Tu peux pas partir. Je sais pas quoi dire, les amis. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, je sais pas. Pourtant, j'ai ouvert les yeux de partout. Oh là 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 là, je vous jure. Oh mais mon dieu, des trucs comme ça. Aïe. Je sais pas là, putain, mais pourquoi il y a une aussi grande zone où il y a du vide? C'est pas normal. Ok, donc là, normal, il y a un rocher, donc c'est peut-être pour monter un peu plus haut, on va pouvoir avoir au moins le... On refaire le chemin. Ah non, même pas, c'est une noix qu'on rencontre. Attendez, mais ça fait combien? 7? 8? 7? Non, pas 8, hein. 8, ça sera à, 20, à 34. Donc il nous en manque bien un. Putain, je vous jure, je suis blasé. Je sais pas, hein. Je sais pas honnêtement comment je peux retourner au truc. Affronter Rivali, après on va s'arrêter là. Oh ben quel con. Je me suis trompé de bouton. Non, mais putain, je me trompe de bouton. Merci. Ok. Tac. Ok. Attention. Oh là là, je suis dégoûté. Ok. Ça c'est fait. Bon ben, à mon avis, il faudra le refaire une prochaine fois, les amis. Je suis dégoûté. Je suis désolé, honnêtement, mais à mon avis, il faudra le refaire pour...
à voir la prochaine, la noix Korogo. Ouais, je suis écœuré. Les amis, je suis écœuré. Je ne sais vraiment pas où il est, la première. Je ne sais pas où il est. C'est triste, mais je crois que je vais devoir refaire le scénario. Je sais pas. À mon avis, je sais même pas. Est-ce que j'arrête là? Ça me dé... On va pas contrôler la créature divine? Marqué victoire. Ok. Louche, lance Moblin. Darouk. Ok. 7 noix Korogo. Il nous en manquait bien une. Pantalon du futur Piaf. Oh, pardon. On lira le truc à la fin. Je suis. Quoi? Attendez, on va vraiment pas contrôler la créature divine? Mais putain, je comprends rien. Ah, peut-être. Est-ce que j'arrête maintenant ou pas? Est-ce que j'arrête maintenant? Est-ce que ça sert d'arrêter maintenant? C'est faisable en deux vidéos, si on contrôle Link. Parce qu'il faut tuer les monstres les plus rapidement possible. Il existe un gardien identique à celui-ci. Voilà qui m'intrigue grandement, votre Altesse. Oui. Bon, on va faire la mission dans cet épisode de la créature des vignes, après on s'arrêtera là. Oh là là, je suis dégoûté. Et pour cela, je sais pas où il est. Vous allez avoir besoin de mes talents. Je vais chercher. C'est bien ça, pour piloter la créature divine. Le truc par contre avec Cinetis, c'est abusé. Ça devrait même pas exister. D'où tu es censé le savoir, quoi. Le chevalier élu pour assurer la protection de la princesse. J'ai du mal à croire que ce soit un tel gringalet. Non. On le refera, hein, je vous le dis clairement. Alors, on le refera une fois qu'on aura terminé les épisodes Progress Map et logiquement l'émission de combat. Donc en deux épisodes, c'est faisable. En fait. Pardon ? Mais deux épisodes uniquement si on se concentre là-dessus. Donc il faut faire deux épisodes uniquement sur ce scénario. Il faut pas perdre de temps à lancer au début du truc, à lancer la bataille, même faire les amiibo. Il faut directement entrer dans le vif du sujet en fait. Parce que là, on contrôle la créature divine ou pas? Je sais même pas. Oh, je sais même pas. Non, même pas? On contrôle pas la créature divine? Mais c'est triste. Révali, guerrier Piaf. Ce guerrier Piaf a des talents jugés exceptionnels. Même au sein de son peuple. Ce sont ses pouvoirs qui lui ont valu d'être choisi pour piloter la créature divine Vamedoa. Vamedo. Pardon. Il est très fier de lui-même, mais fait preuve de compétences qui justifient ce comportement. Ok. Bon, ben on sait quoi faire la prochaine fois. Progress map et on fera... Ouh. Offre exceptionnelle accomplissement. Bon, ben on fera également le Urbosa quand on aura refait ce scénario. Je suis dégoûté, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Moi aussi je suis dégoûté, mais on n'a pas le choix. Oh, au niveau 11 à 20. Quoi? Oui, carrément, on a des missions de niveau 11 à 20. Ok. On a tout fini ici? Ah non, on n'a pas tout fini. Ok, ok, bon, on verra tout ça la fois prochaine, les amis. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro... numéro, je ne sais plus comment... Numéro 28, ouais, de notre... De 29 28. Attendez. Oui, 28, c'est ça. De notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Donc, pour vous dire, prochaine fois... Progress Map, donc épisode Progress Map. le prochain scénario, nous retournerons, les amis, obligatoirement dans le Révali le guerrier Piaf pour récupérer
Eh ben, le Korogu que nous avons loupé, je ne sais pas où il est. Honnêtement, on le cherchera de partout. Je m'en fous, on va aller dans les zones et tout. On va tout chercher, on va tout défoncer, tous les arbres du monde. Hein, je vous le dis clairement, on va tout défoncer. Donc, voilà. Et on et puis, sinon, pour les personnes qui veulent voir du nouveau, rendez-vous, je sais même pas combien d'épisodes. Il y a combien? Alors, Progress Map, c'est un épisode. Ensuite, là, il y a deux trucs qui s'est débloqué, donc potentiellement deux épisodes, mais peut-être trois. Donc, ça veut dire 3 épisodes. Donc, ça veut dire 29, 30, 31. Donc, ça veut dire 31. Donc, ça veut dire même... ça veut dire 29, 30, 31. Donc, ça veut dire 32 en deux épisodes. Donc, logiquement, je dis bien logiquement, on part ici pour l'épisode 34. Normalement, c'est aux alentours des épisodes 34 qu'on t'attaquera tout simplement la partie Urbosa, le Javi Gerudo, la partie scénario. Donc, écoutez, les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Vraiment désolé pour ce noir Gorogu qui nous a posé des soucis. Donc, écoutez, hein, c'est pas grave, on le refera et on n'a pas le choix. Et en même temps, ça permettra d'augmenter nos personnages. Hein. En même temps, dites-vous qu'on fait pas, on refait pas ça pour rien. Hein, il faut pas partir du principe qu'on a fait ça pour rien. On lira également la tenue. L'épisode prochain, dans l'épisode Progress Map, un petit peu pour voir un peu ce que nous avons obtenu, même au niveau du butin, enfin voir notre inventaire. Et du coup, je vous dis, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, hey!